Ce mardi 12 avril 2022, il est 13h45. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive à l'aéroport international de Lombo pour accueillir son homologue rwandais Paul Kagame qui effectue depuis lundi une visite d'État au Congo. Ici, la mobilisation est à son comble et illustre l'intérêt que les Congolais accordent à l'amitié entre le Congo et le Rwanda. Une amitié vieille de 40 ans que les deux chefs d'État magnifient davantage pour une communauté de destin entre les peuples des deux pays. 12h20, le Falcon transportant le président Paul Kagame atterrit à son tour à l'aéroport international de Lombo. Denis Sassou Nguesso accueille son homologue au pied de l'avion. Les deux chefs d'État saluent ensuite les corps constitués présents à cet instant. Oyo, deuxième étape du séjour du président rwandais en terre congolaise. Après un bref entretien au salon d'honneur, le cortège des deux chefs d'État s'ébranle en direction de la ville d'Oyo, où le président rwandais passera 48 heures. C'est dire que les relations entre le Congo et le Rwanda se trouvent ainsi renforcées grâce à l'engagement des deux dirigeants, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, qui œuvrent pour la paix et le développement de l'Afrique centrale, engagent désormais leurs deux pays vers l'accomplissement des projets multidisciplinaires d'intérêt commun, à l'image des accords de coopération signés ce mardi 12 avril.